ce soir. Seigneur, tant mieux, ô Père éternel, que mon frère et soeur ne passent pas. Mais Père, là, c'est pas que tu le veux. Je te célèbre, je te célèbre. Grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être encore en vie, d'être debout, Père éternel. Seigneur, il y en a qui n'ont pas eu cette grâce, il y en a qui n'ont pas eu, ô Dieu de gloire, cette grâce éternelle, Dieu de gloire, d'être en vie. Mais tu nous as fait grâce. Alors, Seigneur, en signe de reconnaissance et de gratitude, Seigneur, nous voulons, ô Dieu de gloire, te dire encore merci. Nous voulons pas manquer, Seigneur, de te dire merci. Je te prie, Seigneur, pour la vie d'Emmanuel. Je te bénis. Honneur et gloire. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de Marie. Je te bénis, on te voit pour les filles, au Père éternel. Tu seras bien avec nous. Élève ta voix de la force de l'œil. Éternel, mon Dieu, pour moi, je vous prie parce que je vous en prie. Nous voulons, Père éternel, te présenter, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, nous prions, ô Père éternel, que tu règnes encore au milieu de nous. Seigneur, tu sais. Au Dieu de gloire, que la parole, Seigneur, qui sera libérée ce soir, Père éternel, place dans nos cœurs, Père éternel, puisse encore, au Dieu de gloire, accomplir sa mission, Père, la mission pour laquelle, Seigneur, elle sera libérée ce soir, Père. Seigneur, priez, Père éternel, Seigneur, Père éternel, tu règnes encore au milieu de nous. Nous, mon Père, mais c'est un intelligent. Non, mais celle qui vient de toi. De sorte à ce que nous puissions être promptes. Ah, éternel Dieu, de gloire que nous puissions, oh Dieu de gloire, oh, être encore remplis de toi, être encore saturés de toi, Père éternel. Afin, Seigneur, d'aller encore dans une autre dimension avec toi, Père. Telle que tes bontés se renouvellent chaque jour. Seigneur, pour ce soir, Père éternel, nous voulons, ô Dieu de gloire, Père éternel, aller dans une autre dimension. Seigneur, nous voulons, ô Dieu de gloire, aller encore dans une autre dimension, Père éternel, avec toi, sur la révélation de ô Dieu de gloire, dites-toi, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, nous voulons tout simplement, Père, te présenter ce pour que tout soit fait selon toi, Père. Père éternel, pour ta seule et unique gloire, les bons sentiments, Seigneur, nous
esprit de désobéissance, Père, de ta parole. Seigneur, sois encore chassé, Père éternel, au milieu. Mais que ce ton esprit saint, ce l'esprit de ta parole, Seigneur, règne encore au milieu de nous. Nous allons encore élever nos voix ce soir et nous allons cette fois-ci présenter le oint de l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, il ne s'agit pas d'un homme. Ce n'est qu'un canal que tu utiliseras. Alors laisse qu'il soit rempli de toi. Alors laisse qu'il soit comme cette image d'un vase vide que tu remplis de ton huile. Qu'il ne puisse avoir aucune volonté si ce n'est la volonté de Dieu. Que tout ce qui sortira de sa bouche puisse venir de très haut. Élève ta voix et présente-toi ce soir. Éternel, notre Dieu, nous te présentons, mon Père, nous te présentons celui-là que tu t'es choisi. Nous prions, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses davantage le remplir, que tu puisses davantage le oindre. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il puisse encore être connecté à toi. Seigneur, tu puisses encore que toi seul, tu puisses le remplir. Laisse qu'il puisse encore au-dessus de toi parler de toi, parler de ta part ce soir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que son intelligence au-dessus de gloire cesse, mais que l'intelligence et la sagesse qui vient de toi puisse encore au-dessus de gloire le remplir. Je prie que cet esprit de sagesse dont parle Esaïe en au-dessus de gloire remplisse ton serviteur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au-dessus de gloire qu'il ne puisse pas avoir de volonté si ce n'est la volonté de libérer le message au Dieu de gloire que tu auras mis en lui. Nous prions que tu puisses davantage le saturer de ta gloire. Nous prions que nous puissions que tu puisses davantage le saturer au Dieu de gloire de ce message qui viendra pour délivrer. Que ce soit cet instrument-là qui soit plein, que sa coupe déborde ce soir. Que sa coupe déborde ce soir. Que sa coupe déborde ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons au Dieu de gloire et nous savons que c'est toi qui l'as établi. Alors, on Père, remplis ton serviteur ce soir, de sorte à ce que nous puissions recevoir de toi au travers de lui, de sorte à ce que nous puissions être remplis de toi au travers de lui. Nous avons soif de la parole, nous avons soif de la connaissance. Alors, laisse qu'elle soit relâchée sans filtre de toi. Alors, laisse qu'elle soit relâchée sans filtre de toi. Un cœur a besoin de l'entendre. Un cœur a besoin de la rencontre. Laisse qu'elle soit relâchée. Alors laisse qu'elle soit relâchée ce soir. Et que ce cœur qui a besoin de l'entendre la tape au nom puissant de Dieu. Parole, Seigneur, tu l'as choisi, Seigneur, ce soir, afin de nous communiquer, Seigneur, de ce que tu voudrais que nous puissions encore entendre. Merci pour ta vie, parce que, Seigneur, deux jours déjà. Nous recevons de toi, ô Père éternel. Donc, sature encore ce jour, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons terminer en. J'aimerais que nous prenions 2 à 3 minutes de là où tu es, que tu puisses parler en langue, de sorte à libérer. Et l'atmosphère, de sorte à travailler l'atmosphère pour que l'atmosphère soit propice ce soir. Nous refusons dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de distraction, de sommeil, de nonchalance, de fatigue. Alors là, je prends juste que tu parles en langue pendant quelques minutes. Les mains de Rababas, les mains de les bosses.
les mains de brachet que tu les mets, les bros, les les immondes robots, la rebatouka, la mando roboshika terebo, l'ikouba si mangosa, les mando roboshika, Merci Seigneur pour te demander que nous savons que tu es déjà. Tu es déjà. Et nous te bénissons. C'est le point de te bénissons parce que tu as bien voulu être là au milieu de nous. Moi, j'ai honneur à toi pour cette première parole. Nous te présentons la suite de ces moments éternels. Laisse que ton esprit nous dirige et que tu te fasses voir. Que tu te fasses voir à une autre dimension. Voici des cœurs qui ont besoin de toi. Voici des cœurs qui veulent t'entendre. Alors parle-nous ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais juste passer la parole à l'autre de la prophète. Alors, shalom, shalom à tous. Est-ce que l'on me reçoit? Oh, alors. Est-ce que l'on me reçoit? Thank you, Seigneur. Alors, j'aimerais déjà que tu te prépares par rapport à ce temps avant que l'orateur me prenne la parole. Prépare-toi parce que ce soir, le monsieur va nous faire énormément de bien. Alors, je n'aimerais pas non plus m'étendre, seulement te demander de faire 2, 3, 4 choses. Invite au maximum. S'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore invité, va dans ton téléphone, prends le lien et dis à cette personne, connecte-toi ce soir. Hier, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. On a vu des guérisons. On a vu des choses extraordinaires. Ce soir, je sens encore une manifestation de l'esprit particulière. Alors, si tu peux simplement inviter ton voisin, l'orateur est déjà là.
et le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. La deuxième chose, sois concentré à un cahier. Je sais que demain c'est dimanche, mais ce soir déjà aussi Dieu va commencer à te bénir. Un cahier, un stylo, sois prêt, parce que ce soir Dieu va nous faire énormément de bien. Ladies and gentlemen, aidez-moi s'il vous plaît à accueillir, à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Komila, pendant qu'il est en train d'activer sa vidéo. J'aimerais que tu acclames l'homme de Dieu. Acclame l'homme de Dieu, envoie des smileys et nous passons la parole au pasteur de la Bible. Shalom à tout le monde, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je veux me rassurer déjà d'une chose avant d'aller plus loin. J'espère que tout le monde m'écoute de façon fluide. On vous entend très bien. D'accord, ok. Gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour ce programme. Béni soit le Seigneur pour IDES. Et on ne peut pas bénir Dieu seulement. On bénit aussi l'homme que Dieu utilise, qui est un facilitateur, qui est un homme point, et qui permet à ce que la volonté de Dieu puisse s'exprimer, devienne possible pour plusieurs autres personnes. Donc, j'ai cité le prophète Azaf, qui est un homme de Dieu bien, rempli du Saint-Esprit, qui est en train d'abattre un travail formidable. Je ne sais pas si plusieurs personnes à côté, vous pouvez le constater, mais si moi déjà, des milliers de kilomètres, je peux le constater, ça veut dire que vous qui êtes très proche, c'est sûr que vous le constatez assez doublement ou puissamment. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa vie et que Dieu lui donne davantage de posséder les terres qui sont à lui, qui ne sont pas encore possédées, d'aller à une vitesse exponentielle. J'aime ce texte qui est dans le dernier verset de 1 Roi chapitre 18. La Bible déclare que lorsque la main de l'Éternel fut sur Élie, la Bible dit qu'il a été plus rapide que les chars d'Akab. Ça veut dire que, en fait, la main de Dieu a donné une vitesse à Élie qui a fait en sorte que Élie puisse aller plus vite que ce qui est censé aller plus vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le miracle de la vitesse. Il y a le miracle de la vitesse qui se fait d'une façon que les gens ne comprennent pas. C'est tout simplement le résultat de la main de Dieu. Vous allez voir, lorsque il y a eu le miracle chez cette dame qui avait besoin des vases, d'accord, il y a eu quelque chose. Vous savez que dans ce miracle, il y a quelque chose qui s'est caché. Ce qui s'est caché dans le miracle, c'est qu'il fallait qu'elle trouve des vases pour que le miracle commence. Et jusqu'à ce qu'elle n'eût plus trouvé de vases, le miracle s'est arrêté. Le miracle s'est passé à deux niveaux. Le premier miracle, c'est que Dieu lui a donné la rapidité de trouver les vases. Parce que pendant que l'huile coulait, il fallait qu'elle trouve toujours des vases. Et quand elle n'a plus trouvé de vases, l'huile a arrêté de couler. Mais l'huile coulait, l'huile pour couler lui a donné la possibilité de trouver les vases. Mais pas juste la possibilité, la rapidité de trouver les vases. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'il y a des moments où nous avons besoin d'une main de Dieu assez différente de celle que nous avons déjà vécue, assez différente des révélations que nous avons déjà eues. Ma Bible me dit ceci, que quand Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse chapitre 12, on va voir comment la Bible dit bien que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et ensuite, quand on va au verset 17, j'aime cette précision biblique, parce que la Bible ne nous dit pas que Dieu a juste dit à Abraham, la Bible dit que Dieu a paru à Abraham. Ça veut dire qu'il y a des niveaux dans la destinée où quand Dieu veut nous amener à d'autres niveaux, il se révèle autrement. Amen. Alors je prie davantage pour ITS, que Dieu se révèle d'une façon avec laquelle il ne s'est jamais révélé. Je crois au Dieu de la dimension de l'extraordinaire, comme on n'en a jamais entendu parler dans les nations, comme on n'en a jamais entendu parler dans l'histoire de nos familles, comme on n'en a jamais entendu parler dans le commun de mortels. Des manifestations bizarres qui expliquent tout simplement comment est-ce que Dieu est bizarre, que le Dieu glorieux puisse davantage bénir ce ministère et son leader. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Merci pour toutes les personnes. Que Dieu bénisse déjà toutes les personnes qui sont présentes. Certainement, vous avez aussi beaucoup d'autres obligations. Mais vous êtes donné l'obligation de pouvoir ne pas se priver d'un moment comme celui-ci. Davantage pour être connecté à Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu multiplie les pistes de bénédiction dans vos vies.
et que la main de Dieu soit sur vous. Alors ce soir, nous voulons poursuivre un peu dans ce dans quoi nous avons commencé déjà il y a de cela deux jours. Et vraiment, je crois que Dieu est en train de faire un travail merveilleux. Mais avant de poursuivre, je voulais demander, il y a des personnes qui étaient ici hier pour qui on a prié et ensuite qui ont checké et bon, la maladie, on va dire quoi, le malaise, l'anomalie se trouve encore aujourd'hui. Si vous êtes là, signalez-vous, s'il vous plaît. On ne va pas prier maintenant, d'accord? Mais je veux juste d'abord ça. Merci Seigneur. D'accord. Ok. Donc, je crois que pour ceux qui... Mais il y a des gens qui étaient là hier. Ok, je suis là. Julie. Ok. Il s'agissait de quoi précisément dans ton cas, Julie? Puisque tu es la seule qui s'est manifestée. Moi, L-Y. Pendant que j'étais en train de présenter, pendant que j'étais en train de préparer ce moment, Dieu m'a parlé d'un cas précis. Les pieds se sont dégonflés. Gloire à Dieu. Oh, ça, c'est le témoignage. On rend gloire à Dieu. Les pieds se sont dégonflés. Amen. Gloire à Dieu. Un autre cas. Aujourd'hui, nous allons vraiment faire l'effort de terminer tôt. Je sais que demain, il y a les cultes. Bon, moi-même en premier qui vous dit ça. Donc, je vais vraiment essayer de faire une forte économie du temps. Et certainement, demain, on va directement clôturer. Parce que demain, j'ai à cœur de beaucoup prier et prier vraiment pour les fils d'ITS. Dieu m'a communiqué des messages dès que j'ai commencé à intervenir. Je pense que c'était le jeudi. D'accord. Dès que j'ai commencé le jeudi, Dieu m'a donné beaucoup de paroles pour ITS précisément. Donc demain, vous qui êtes fils d'ITS, fille d'ITS, s'il vous plaît, soyez là. D'accord. Soyez là. Plus de douleur à la gorge. Gloire à Dieu. Ok. Mon mal de cou est toujours là, mais faible intensité, comme je l'avais signalé. D'accord. Bon, il faut déjà enlever la propriété du mal de cou. C'est pas pour toi. Même si c'est dans ton corps. D'accord, c'est pas pour toi. D'accord, ok. Donc, on va revenir. La boule dans le sein est toujours là, mais lorsque... attendez, excusez-moi, puisque j'utilise... Et la boule diminue, c'est plus comme auparavant. Nous sommes dans les opérations divines. Normalement, la boule a disparu. La boule n'est pas là. Bah, attends, ce soir, on va terminer avec cela. Également pour la petite douleur qui est encore... la petite douleur rebelle qui est encore un peu au cou et tout le reste. Nous allons terminer avec ça. Gloire à Dieu. J'ai envie de demander... là, il y a quelqu'un... Excusez-moi, là, il y a quelqu'un qui... Je suis en plein direct. Alors, je voulais demander, la personne qui a donné une douleur interne hier, je pense, qui nécessite souvent des examens comme ça, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Je pense qu'elle n'est pas là. Ok. Celle qui avait la petite sœur, qui avait le kyste à la main, est-ce que aussi elle est là? Je pense qu'elle, elle est là. Je crois qu'elle est là. Oui, elle est là. Comme je le disais. Ok.
nous allons revenir. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'on fasse l'enseignement. Et ensuite, le petit temps qui va nous rester, on va aller en priant. Ah, la sœur n'est pas là. Ok, d'accord. Oh. Ok, donc on va passer à l'enseignement. D'accord. Ouvrez vos caméras parce que c'est sûr que pendant qu'on va être en train d'enseigner, Dieu va faire, il va davantage faire des grandes choses. Alors pour ce soir, regarde mon temps. Ok. Prophète, c'est jusqu'à quelle heure normalement? J'ai combien de temps? Vous avez une heure de temps. Vous avez une heure de temps. Une heure de temps. Donc ça veut dire que normalement là, il me reste combien de temps? Ou bien une heure, c'est à partir de maintenant? Ou bien c'est à partir de quand j'ai pris la parole? Une heure, c'est quand vous commencez à enseigner. Pardon? Dès lors, pour commencer à enseigner, vous avez une heure de temps. Ah ok, d'accord. Ok, donc je vais faire une économie. Donc je crois que d'ici minute 30, j'aurai terminé. Par la grâce de Dieu. Alors, donc, pour ce soir, les deux premiers jours, nous avons été enseignés sur l'autorité. D'accord? Sur l'autorité. Et j'ai un peu parlé des sphères d'autorité, j'ai un peu parlé des éléments par rapport au fonctionnement de notre autorité. Des éléments liés à la déprogrammation de notre autorité, ce qui a fait en sorte que l'homme ne puisse pas vraiment comprendre la dimension dans laquelle il doit opérer son autorité. Donc il y a eu tous ces éléments-là. En fait, tous ces éléments-là n'étaient pas juste des informations superflues, mais c'était pour qu'on comprenne aussi les principes et les fonctionnements et les mots dans le monde spirituel. D'accord? Et maintenant, ce soir, je vais continuer un peu dans la dimension de l'autorité, mais je vais parler de deux choses. Je vais parler du langage de notre autorité. D'accord? Je vais parler du langage de notre autorité. Et ensuite, après le langage sera comme un grand point. Après le langage, je vais parler un peu de la particularité des armes. L'homme de Dieu, l'apôtre Moïse, je crois, avait déjà enseigné sur les armes. Je ne vais pas enseigner sur ce sur quoi il a déjà enseigné. Je vais juste enseigner par rapport à la logique de l'autorité. Donc, par rapport à la logique du langage de l'autorité. D'accord? Voilà. Je suis un enseignant normalement, mais je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé ce programme, j'ai l'impression que je prêche au lieu d'enseigner. Bon, peut-être c'est l'onction du moment, d'accord? Mais vraiment, moi-même, je me dis, hier soir, quand je suis rentré, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors, permettez-moi de prier. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. L'or va et descendre la vie des chis. Faut les rappeler qui n'ont fait sens. Merci parce que tu relâches un mouvement dans l'atmosphère de notre spiritualité. Merci parce que ta parole va prendre une forme physique que nous allons expérimenter comme une preuve de ta présence dans nos vies. À toi soit toute la gloire. Ne nous laisse pas juste avec des informations ce soir. Laisse-nous avec des témoignages ce soir. Bien plus, laisse-nous avec une semence générationnelle. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que nous allons étudier un peu le langage de l'autorité. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Le samedi n'a pas été samedi pour tout le monde. Il y a d'autres samedis. Quand ils arrivent à samedi, normalement, ils se retrouvent entre deux royaumes, le royaume du repos et le royaume de vouloir faire ce qu'ils peuvent faire quand ils ne sont pas occupés. Et ils se retrouvent en train d'être occupés au lieu de se reposer. Donc, c'est parfois un peu pas facile, mais par la grâce de Dieu, ça va. We will manage it. OK. Le langage de l'autorité. Le langage de l'autorité. Je veux attirer notre attention sur quelque chose de très important avant d'aller plus loin. D'accord? Sur quelque chose de très important avant d'aller plus loin. Mais avant de dire ça, je vais lire un texte. Un texte qui est très commun et que tous les chrétiens connaissent. Je suis dans Jean au chapitre 1, l'évangile selon Jean au chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 1. Je suis en version Seigneur. Ma Bible dit, au commencement était celui qui était la parole.
de Dieu et il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. En cette vie était la lumière des hommes. D'accord? La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. D'accord? Amen. Amen à la parole. Alors, ici on est en train de parler du commencement, on est en train de parler de Genèse. Maintenant, quand on lit la Bible, vous devez savoir que c'est un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs sur un bon espace en matière de temps où les auteurs n'ont même pas eu le temps de se connaître les uns les autres. Le dernier écrivain de la Bible, des livres de la Bible, le dernier utilisé par le Saint-Esprit pour écrire, le dernier livre de la Bible, par exemple, n'avait peut-être pas d'informations photographiques ou d'informations concernant le premier. Donc, vous voyez que c'était des hommes déjà qui avaient une culture différente, qui avaient un niveau d'éducation différent, d'accord, qui avaient un background différent. Ça veut dire qu'en fait, la Bible ici a utilisé les diversités pour pouvoir faire sortir l'unité. Le Saint-Esprit s'est saisi de ces hommes. Ce n'est pas ces hommes qui ont écrit, mais le Saint-Esprit a écrit au travers ces hommes. Maintenant, pourquoi je commence avec cette introduction? C'est pour nous permettre de pouvoir suivre où on veut aller. Alors, vous allez voir, la Bible nous parle du commencement. Quand on parle du commencement, on va directement au livre de Genèse. Quand on va au livre de Genèse, on comprend que le livre de Genèse, c'est le commencement de tout. Aucune chose n'existe sur la terre ici aujourd'hui si ça n'a pas commencé dans Genèse. Vous allez vous rendre compte que le péché a commencé dans Genèse, la mort a commencé dans Genèse, la polygamie a commencé dans Genèse, l'offrande a commencé dans Genèse, les envies ont commencé dans Genèse, l'homosexualité a commencé dans Genèse, les nouvelles technologies ont commencé dans Genèse, le système économique et les prévisions économiques, les méthodes de management ont commencé dans Genèse. On comprend qu'ici, Genèse ne nous donne pas juste l'heure ou bien ne nous donne pas juste le programme du commencement de la terre, mais ça nous donne des informations en ce qui concerne ce qu'on appelle la loi des premières mentions. Qu'est-ce que ça signifie, la loi des premières mentions? La loi des premières mentions, c'est une loi, lorsque nous lisons la Bible et que nous voulons comprendre toujours le sens d'une chose, il faudrait qu'on aille puiser où la chose a été nommée ou citée pour la toute première fois pour avoir une restitution un peu normal de ce que Dieu veut nous dire. Jusque-là, quelqu'un avec moi. Ça va? Maintenant, quand j'étais en train, suivez très bien mon introduction, s'il vous plaît. Alors, nous nous rendons compte que ici, Genèse est en train de nous restituer une chose par rapport au commencement. Celui qui a écrit Genèse, celui dont Dieu s'est servi pour écrire, pour transcrire, si je peux dire ça, parce que en fait c'était écrit, mais lui il a juste, voilà, pour transcrire le livre de Genèse, c'est un homme qui n'a pas existé au temps où il y avait Genèse. Vous êtes avec moi. C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, ce qu'on appelle en d'autres termes le 5-5e, le 5-5e, ce qu'on appelle, ce qui constitue la loi d'Israël. Petite parenthèse, parce que vous devez savoir que de la Bible sont sorties plusieurs religions. Logiquement, de la Bible sont sorties trois religions. Les principales religions qui sont sorties de la Bible, on a premièrement le judaïsme, bon, qui sont sorties pas de la Bible, pardon, excusez-moi, mais de la loi. On a le judaïsme, d'accord? Et on a ensuite l'islam, mais qui est sorti, on ne va pas dire de façon officielle, mais après, ensuite, on a, en descendance, on a le christianisme. Le judaïsme est venu par Isaac, d'accord? Les gens se sont basés par Isaac pour le créer. L'islam est venu par Ismaël. Et le christianisme est venu par Jésus. Quelqu'un va me dire quel est le rapport entre Jésus et Abraham. C'est parce qu'effectivement, quand vous lisez Matthieu chapitre 1, on nous présente Jésus comme fils d'Abraham et fils de David. Donc, la logique de la royauté divine est la logique du fils de la promesse selon la foi. Je suis en train d'aller quelque part. Et alors maintenant, on a Moïse ici qui est en train de nous expliquer les choses qui se sont passées au commencement. Pendant que quand on voit le ministère de Moïse, nous le retrouvons dans Exode. Et nous retrouvons le ministère de Moïse, un peu les révélations sur la montagne. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit à Moïse que voilà, quand Moïse veut voir sa face. D'accord, Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face, tu ne peux pas vivre et tout le reste, il faut te cacher dans le rocher. Ensuite, Dieu est passé. Mais on se rend compte que lorsqu'on lit bien les Écritures, Moïse a pu apercevoir des éléments de Dieu. Logiquement,
l'arrière de Dieu, il a vu l'arrière de Dieu. Il a vu Dieu derrière. Mais on doit savoir que le temps que Moïse a passé en contact avec Dieu, je suis en train d'aller quelque part, il faut que je regarde aussi le temps. Ok, merci. Donc, le temps que Moïse a passé avec Dieu lui a donné une révélation de ce qui s'est passé au commencement. Maintenant, je commence. La Bible que nous lisons est écrite en français. Mais celui qui a écrit la Bible, il avait un dialecte, on dit quoi, une langue. Et la langue que lui, il avait, c'était l'hébreu. Il a eu la révélation de cette parole en hébreu. La Bible dit qu'au commencement, je pense en hébreu, c'est Bereshit bara Elohim. Donc, au commencement, Dieu créa, voilà, tout ce que nous voyons. Mais maintenant, regardez, écoutez très bien. Dieu n'a pas utilisé le langage hébreu pour créer la terre. Ça va pour tout le monde. Nous, quand on lit la Bible en français, on dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est parce que nous comprenons le français et que nous savons que c'est ce que Dieu a dit. Mais sauf que quand Dieu a voulu créer le monde, quand il a commencé à créer la lumière, c'est pas en français qu'il a parlé, c'est même pas en hébreu. Écoutez, vous êtes avec moi. Écoutez, quand on nous transmet quelque chose dans le langage qui est adapté au nôtre, pourquoi? Parce que le langage qui est adapté au nôtre, d'un bon nombre de choses. Il vient d'un son, d'accord? Un son qui est traduit par beaucoup de choses. Ceux qui ont fait linguistique, ils peuvent comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments, comme on dit, des intrants qui font en sorte que le langage soit constitué. Ça veut dire qu'il y a le fait que ce que nous comprenions obéisse à des règles qui sont le français, des règles grammaticales, des règles syntaxiques et tout le reste. Mais sauf que Dieu, le roi des esprits, pour créer le monde, il a créé le monde d'une façon. Mais sauf que nous, pour capter la façon avec laquelle il a créé le monde, il nous donne d'avoir une idée par rapport à une langue. Ça veut dire que si on comprend bien, nous on comprend que Dieu a créé le monde, mais pour comprendre que Dieu a créé le monde, il nous le montre par un langage que nous on peut comprendre. Je suis en train d'aller quelque part. Moi-même, quand j'étais en train de méditer, j'ai eu l'impression de me dire, ah Seigneur, ça c'est quelle histoire? Maintenant, en ce temps-là, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas, comment je vais dire, une civilisation sur la terre. Mais il y avait des esprits. Quand on parle des guerres qui se sont passées dans l'époque pré-adamique, les esprits-là, quel est le langage qu'ils utilisaient? Est-ce que vous savez que quand on parle de la glossolalie, une parenthèse, quand on parle du parler en langue, ce serait un peu lourd, hein, excusez-moi. Quand on parle un peu du parler en langue, de la glossolalie, de la xénoglossie et tout ça, la glossolalie, on dit, par rapport à 1 Corinthiens chapitre 13, on dit la langue des anges, d'accord? Mais vous savez que quand on parle de la langue des anges, ça signifie que c'est un langage qui est adapté aux anges. Ça ne veut pas dire juste que c'est un langage que les hommes ne comprennent pas, mais ça signifie que c'est un langage qui met en mouvement les anges. Ça veut dire qu'en fait, quand on parle en langue, il y a la dimension de l'édification. Mais pourquoi on s'édifie quand on parle en langue? C'est parce qu'en fait, notre esprit ne connaît pas le langage français. Il y a un langage, normalement, que Dieu a utilisé pour créer notre esprit. C'est le langage-là que l'esprit la capte. Maintenant, je vais vous expliquer. J'ai vu déjà une question tout à l'heure. Maintenant, on va dire que dans le monde de Dieu, il y a les démons qui ont été précipités. Et comment est-ce qu'on arrive à pouvoir avoir un langage, d'accord, qui fasse en sorte qu'eux, ils ne puissent pas le capter? C'est maintenant là où je vais commencer à expliquer le langage de l'autorité qu'on a. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. On en a parlé des trois terrains la dernière fois. Et ensuite, la Bible dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, on comprend ici que le langage que Dieu utilise pour créer déjà le pont avec l'ancien Tohu Bohu, c'est la lumière que Dieu donne.
La lumière est le langage par lequel, en fait, sur lequel toute la création devait tenir. C'est pourquoi, en fait, le langage de la lumière est le langage que les ténèbres ne peuvent pas saisir, parce que lorsque la lumière est arrivée, elle a dissipé les ténèbres et on l'a séparée. C'est pourquoi dans notre esprit, quand on parle du langage de la lumière, lorsqu'on déploie par exemple un parler en langue, on voit qu'il y a des démons qui ne peuvent pas capter ça, parce que dès le commencement, le langage de la lumière a créé la séparation avec le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à des esprits? Est-ce que je parle à des esprits? Yes, come on. Non, si vous me suivez, dites-moi qu'on vous suit, qu'on me suit. S'il vous plaît. Si c'est bon, je fais 5 sur 5. Si c'est pas bon, il n'y a pas de problème, je peux revenir. Même si je vais couper et ramener ça demain, vous me dites 5 sur 5. Donc, ça signifie quoi? Donc, vous voyez que normalement, la terre, avant que Dieu ne commence à le faire, donc on voit logiquement la différence qu'il y a entre la lumière que Dieu crée et les autres lumières qui vont exister après. On se rend compte que la lumière là n'est pas une lumière en matière d'éclairage, est une lumière système. Ce n'est pas lumière en termes d'apporter la lumière, c'est la lumière système. C'est pourquoi vous allez voir quelque chose. Quand Paul est en train de prier pour les Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, il veut que les gens puissent se connecter à la richesse qu'ils ont reçue. Il veut que les gens puissent se connecter à la grâce, à leur dimension d'autorité. Mais il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas une dimension d'autorité sans le système de la lumière. Ça signifie quoi? Que la création ne pouvait pas tenir si elle ne tenait pas sur la lumière. C'est pourquoi vous allez voir une chose. La Bible dit ceci, dans Jean au chapitre 1, que toute chose a été créée par la parole et toute chose subsiste par elle. Si on dit que ça subsiste, ça signifie que c'est la parole qui soulève ça. En fait, ça signifie, bon, si votre lit vous soulève, c'est parce que vous dormez sur le lit. Et si tout ce qui a été créé, c'est-à-dire nos destinées, l'environnement, le monde des esprits, quand vous lisez Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes, dans notre version, ont été créés. Ça veut dire les mondes spirituels et tout cela. On comprend qu'il y a une dimension qui fait en sorte que la lumière soit le système qui porte la création. Pourquoi? Parce que, regardez, je vous ai expliqué hier que dans l'organisation de la terre, Dieu a fait en sorte que l'abîme qui était toujours au milieu, on n'a pas trop parlé de ça, mais c'est toujours en bas. C'est parce qu'effectivement, si la lumière ne porte pas une chose, la chose se retrouve dans la dimension, hier j'ai expliqué ça quand je parlais un peu du séjour de mort, dans la dimension de l'abîme. C'est pourquoi la Bible déclare, quand Paul parle, il dit ceci, « Christ a fait luire sa lumière dans vos cœurs. » Alors, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, si je parle à des esprits. La lumière, le langage de l'autorité, c'est le langage que Dieu a utilisé pour faire en sorte que sa puissance se déploie sur la terre. Et ce n'est pas un langage d'abord qui est lié au français. Je vais venir. Ce n'est pas un langage qui est lié à notre connaissance francophone. Pourquoi j'ai posé la question à quelqu'un, à une de mes filles, un jour, je lui ai dit que vous pensez que les démons comprennent le français ou l'anglais? Elle était en train de réfléchir. Bon, je n'avais pas répondu et ce soir, je vais aussi répondre à ça. Oh, j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi quand un démon se manifeste au Congo, le démon parle Lingala, un démon se manifeste au Nigeria, il parle Igbo, il se manifeste au Gabon, il parle le dialecte du Gabon. Ça signifie quoi? Bon, on va dire que certainement dans l'enseignement que j'ai donné par rapport aux principautés, tout ça c'est vrai, les principautés ont le langage de l'endroit, tout ça là. Mais c'est parce qu'en fait les démons, normalement lorsqu'ils sont devant une personne qui a une autorité, ils reconnaissent déjà la lumière. Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'ils soient déjà en contact avec le langage de la lumière les désoriente. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, ce langage de la lumière-là prend forme comme ma main peut prendre la forme d'un gant. Ça rentre dans le langage que nous connaissons. Si c'est le français, tu dis out. Allez, il est sorti. Je dis le français, tu dis out. Pardon, excusez-moi. Le français, tu dis sort. Il est sorti. En anglais, tu dis out. Il est sorti. Voilà, est-ce que vous voyez un peu? Donc,
Le langage de l'autorité que nous avons là-bas, c'est le langage de la lumière. Le langage de la lumière, c'est quoi? Ça veut dire que si on n'a pas été réconcilié avec Christ et si on n'a pas été réconcilié par la lumière, nous ne pouvons pas exercer ce langage. C'est un langage qui montre qu'il y a forcément une différence avec le monde des ténèbres. Ça veut dire que c'est un langage, si nous voulons utiliser, faire en sorte que notre langage de la lumière ne soit pas infecté, il ne faudrait pas que nous puissions nous exposer aux ténèbres. C'est le langage de la création. C'est le langage de la création. Quand je dis c'est le langage de la création, ça signifie quoi? Ça signifie que ce n'est pas le langage juste qui crée, c'est le langage qui règle ce qui est créé. C'est pourquoi, en fait, on peut, vous pouvez voir que Josué à Gabaon, il a arrêté le soleil. Moi, j'appelle ça souvent, j'ai un mot que j'aime utiliser en disant c'est l'autorisation du ciel. Et bon, les gens nous ont dit ça, ils nous ont dit que bon, normalement, après, à cause des recherches, ils ont compris que ce n'est pas le soleil que Josué a arrêté, c'était la terre. Un homme a arrêté la terre, il a arrêté tous les éléments constitutifs de la création, parce qu'en fait, il était connecté au langage de la lumière. C'est le langage de la création, ça signifie qu'il peut créer. Donc là où tu as une difficulté, il y a une chose qui ne va pas, par le langage de la lumière, tu peux créer. Là où tu es là, il y a une situation qui est déformée, tu peux ramener cela par le langage de la lumière. Je veux que nous comprenions la voix de notre autorité. C'est le langage que Christ a déployé. Hier, nous l'avons vu. Donc hier, on a un peu parlé de cela. J'ai expliqué les clés du séjour des morts et tout le reste. D'accord? Et c'est le langage qui a des exigences. C'est le langage qui a des exigences. Pourquoi? Je vais juste rester dans le texte de Genèse. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que chaque année, à chaque fois que je médite Genèse au chapitre 1, j'ai l'impression de me retrouver en train de méditer un nouveau livre, un nouveau chapitre de la Bible. À chaque fois, je médite toujours Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1. Bon, ce n'est pas pour dire que c'est le seul chapitre que je médite dans la Bible. Non, non. C'est-à-dire que je reviens toujours au commencement, d'accord? Et ensuite, je reprogresse et je me rends compte qu'il y a toujours assez de richesses. Alors, dans le même texte que nous voyons, nous voyons une chose. Que Dieu a commencé à créer le monde. Je vais dire quelque chose. Il n'a pas commencé à créer le monde. Il a créé la lumière et le monde était dans la lumière. According to, en fonction de Jean au chapitre 1, vous allez vous rendre compte, on dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement, toute chose a été faite par elle, aucune chose n'a été faite sans elle. Donc vous vous rendez compte que si on prend toute chose, on prend la parole qui est la lumière, on se rend compte que toute chose est dans la parole. Vous êtes avec moi? Mais toute chose ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas d'abord la parole. Yes. Alors ce que Dieu a fait, il a fait quoi? Il a mis la parole parce que toutes choses étaient déjà dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons comprendre, donc la vérité que je vais donner ensuite, c'est que le langage de la lumière n'est pas juste un langage, mais c'est maintenant, d'accord, une position, une zone d'autorité. Pourquoi? Notre autorité est une position avant d'être une proclamation. Notre autorité n'existe pas juste parce qu'on proclame ça. On va voir ça tout à l'heure avec quelques textes. Quelqu'un est déjà à la page, peut nous lire Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16. Nous sommes toujours dans le thème vaincre les esprits des autres. Mais pour vaincre, il faut comprendre son autorité, d'accord? Notre autorité est une position avant d'être une proclamation. Vous allez voir que lorsque Jésus dit, dans Marc au chapitre 16, dans ce type de grande commission, il explique en 10 ans, d'accord, que en mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, vous voyez qu'ici, le nom de Jésus n'est pas un mot de passe. Pour ceux qui utilisaient le nom de Jésus comme un mot de passe, écoutez, changez le mot de passe, mais changez. Ce n'est pas un mot de passe. Le nom de Jésus est une position d'autorité. Parce que quelqu'un l'a dit avant moi ici, je crois, c'est l'apôtre ou le prophète, mais dans le monde spirituel n'identifie pas les noms d'abord. Le monde spirituel identifie les influences. Pourquoi?
Parce qu'en fait, l'esprit qui arrive à se prosterner devant un esprit reconnaît que l'esprit est supérieur. Il reconnaît que l'esprit devant lequel il se prosterne est supérieur. C'est pourquoi vous allez voir, quand on parle du nom de Jésus, on dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Pourquoi? C'est parce que le nom de Jésus porte déjà l'influence au-dessus de tous les autres noms qui puissent exister. Ça signifie quoi? Ça signifie que même quand le nom de Jésus ne se nomme pas, mais quand il est déjà présent, les autres esprits se mettent en garde à vous. Vous voyez comme les gens qui sont alarmés. On a juste des petits sergents, chefs et tout. Et lorsqu'un général arrive, ils sont obligés de se mettre en garde à vous, même si le général ne parle pas. Vous êtes avec moi? Donc, notre autorité n'est pas d'abord avec ce qu'on dit. Pourquoi? La preuve, c'est qu'il y a des gens qui disent beaucoup de choses, mais qui sont en train de vivre comme si, vraiment, genre, ceux qui sont en train de vivre, ils sont en train de mentir même. C'est parce qu'effectivement, ce n'est pas un problème de dire. Qui es-tu? Toi qui dis ça, toi tu es qui? Vous savez que, pour ceux qui ont fait droit, vous savez qu'on a, des arrêtés qui sont des décisions de portée exécutoire qui vont s'étendre dans un domaine. On a des décrets. L'arrêté n'est pas comme le décret. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi qui es un simple citoyen lambda, tu ne vas pas être en train de marcher comme ça, tu vas venir devant la présidence de la République de ton pays et dire qu'à compter d'aujourd'hui, je prends maintenant un décret arrêté. Non, tu n'as pas l'autorité de faire cela. Ça veut dire que tout ce que tu dis, normalement, peut avoir un sens, mais ça aura un vrai sens dans la bouche de celui qui porte l'autorité pour ça, là, pour ça en fait. Vous êtes avec moi? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, normalement, l'autorité n'est pas d'abord ce que nous disons, mais c'est d'abord ce que nous sommes. Mais avant de parler de ce que nous sommes et ce que nous portons, c'est là où nous sommes aussi. Pourquoi? Parce que la dimension de l'huile qui correspond au palais, la dimension de l'huile qui correspond à un roi correspond à un palais. La dimension de l'huile qui correspond à un sacrificateur correspond à une sacrificature, à un temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas exercer une autorité hors de la zone dans laquelle notre autorité doit être alimentée. Je ne sais pas si je parle à des esprits. Là, je sens que les gens... Bon, ou bien peut-être que là, vous êtes beaucoup concentrés. Amen. D'accord. Oui, merci de me dire de reprendre. Voilà. Je disais, on ne peut pas exercer une autorité puissamment hors de la sphère dans laquelle notre autorité est alimentée. Notre autorité est une position. Nous devons le savoir. Alors, quelqu'un est à la page du texte que j'ai donné. Je lis la parole de Dieu dans Actes 19 à partir du verset 13. 13 à 16, oui. 13 à 16, la Bible. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de... D'accord, excuse-moi, on va un peu prêcher ensemble, d'accord? On va enseigner ensemble. Je préfère faire ça pour gagner en temps rapidement. Quelques exorcistes, ils partaient prêcher, chasser les démons de ça là. Bon, la première chose, c'est déjà l'instabilité. Ces gars-là étaient déjà instables, les fils de Séba. Donc, ils se baladaient pour chasser les démons partout. Leur instabilité physique montre aussi leur instabilité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un, tu n'es pas planté et tu es instable, tu es partout. Tu veux développer une croissance de quelle façon? Ça dit que sans rien, ça dit tu es partout et tu es nulle part. Hier, je disais cela et vraiment un conseil pour tous les fils d'ITS. Aujourd'hui, on est dans une génération où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vent. Vous savez que toutes les nourritures sont bonnes, d'accord? Mais toutes les nourritures ne sont pas bonnes. Pourquoi? Une nourriture bonne qui est donnée à une personne qui n'a pas l'âge adapté pour ça, ça peut le tuer. Donnez à votre bébé une bonne salade. Donnez à un enfant de 3 ans, à un enfant de 3 mois une salade. Mais vous êtes en train de le tuer. Et parfois, c'est comme ça. Parfois, quelqu'un mange ici, il mange ici le riz, il part manger la salade là-bas, le bangkou là-bas, le foufou ici. Après, il vient chez son père dire que j'ai mal au ventre. Non, vous savez que quand une femme met au monde,
Dieu fait en sorte que sa poitrine prenne du volume parce qu'elle a normalement la nourriture nécessaire au bébé qu'elle a porté. Si vous êtes des fils d'une maison, vous devez savoir que le père de la maison a la nourriture nécessaire pour votre croissance. Mmh. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Ça ne veut pas dire que pour votre croissance, il y aura une nourriture que vous n'allez jamais manger. Non, vous allez la manger, mais à un moment donné, il faudrait comprendre qu'il y a une femme qui a porté dans le ventre et que Dieu, à qui Dieu a donné les moyens pour pouvoir nourrir jusqu'à un bon niveau. Yes. Mais il y a beaucoup d'indigestion parfois. Vous allez voir, les gens se baladent. C'est-à-dire, ils se baladent, on ne sait même pas. Mais imaginez-vous. Vous n'avez pas planté un arbre à un seul endroit. Vous plantez aujourd'hui, vous enlevez. Vous allez mettre là-bas, vous enlevez. Bon, vous voulez que l'arbre là produise quel genre de fruit? Bon, peut-être, avec les pratiques, si les gens sont sorciers, peut-être, je ne sais pas. OK. Donc, ils étaient instables. D'accord? Ils étaient instables. Alors, on y va. La sœur qu'il y a avec nous. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. D'accord. Donc, merci. On voit que. On... Pardon, si ce n'est pas terminé, je crois. Amen. C'est terminé au verset 16. Le verset 14, oui. Là, je suis au verset 15. OK. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? OK. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset Amen. Non, au 16, on s'arrête au 16. Amen. Amen. Alors, regardez cette histoire, les fils de Séva. Ils sont devant un démon. C'est-à-dire, regardons un peu bien le texte, ils sont devant un démon et le démon est en face d'eux. Bon, et en face du corps qu'ils possèdent. Pour ceux qui n'étaient pas le premier jour, j'ai un peu expliqué la notion des anges déchus et les corps. Donc, il parle d'un gars qui n'est pas devant eux. Mais écoutez ce que les démons disent. Les démons disent que nous, on connaît Paul. Mais est-ce que Paul était là? Ils disent qu'on connaît Jésus. Est-ce que Jésus était là? Comment est-ce que les démons peuvent identifier quelqu'un qui ne se trouve pas devant eux? Mais quelqu'un qui est devant eux, ils ne connaissent même pas qui c'est. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le monde spirituel, notre dimension d'autorité, d'accord? Suivez-moi très attentivement. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, notre dimension d'autorité crée des distances? J'explique. Ça veut dire que normalement, dans le monde spirituel, les influences sont reconnues. Ça signifie qu'à chaque fois, normalement que nous opérons sous l'autorité du nom de Jésus, non, dans l'autorité du nom de Jésus, nous nous rendons compte que le monde spirituel est déjà alerté en ce qui concerne le nom de Jésus. Mais vous devez savoir que le monde des esprits, c'est un monde qui a un service de renseignement très fort, parce que le monde des esprits a les germes de l'éternité. Ça veut dire qu'en fait, eux, ils ont un renseignement très fort, de la même manière qu'un esprit n'a pas besoin de prendre un vol qui va faire Libreville sans escale pour Paris pendant 9 heures de temps. Un esprit, lui, il est là. Vous avez la preuve. Il y a des gens qui sont en vampire. Ils sont dans leur village à Macongonion, mais ils sont déjà allés retrouver leurs enfants qui sont en Belgique. En une nuit. Même pas en une nuit. Même pas 30 minutes. À la vitesse de la lumière. Certainement, je ne sais pas. Bon, mais on n'aura pas l'occasion de parler certainement en termes de vitesse et tout le reste par rapport à l'autorité de la lumière. Donc, vous vous rendez compte qu'ici, donc, le monde spirituel, c'est un monde, normalement, où les choses sont connues. Ça signifie que dans le monde spirituel, les choses sont connues. Les gens sont connus. Les autorités sont connues. Mais à chaque fois que quelqu'un veut
veut opérer dans une autorité où il n'est pas posé, où il n'est pas planté, où il n'est pas connu, il devient une victime automatiquement. Je ne sais pas, je voulais dire à ton voisin, mais je ne sais pas si tu peux te dire à toi-même qu'il est mieux pour moi d'avoir l'autorité et la manifester au lieu d'être une victime. Parce qu'en fait, sans autorité dans le monde spirituel, on est une victime. Les exorcistes, c'était des gars instables, mais qui se sont retrouvés en train d'être blessés et ils sont partis nus. Ça veut dire que c'est des gens qu'on a normalement transformés en fous. Dans le monde spirituel, sans autorité, tu es une victime. Tu es une victime du projet d'une autorité. Quelqu'un avec moi? En fait, ils ont voulu prendre un risque compliqué. Ils se sont aventurés dans un terrain dont ils n'avaient pas la connaissance. Et c'est cela. Ils sont arrivés devant. Deuxièmement, la deuxième chose qu'on peut voir dans ce texte et l'une des leçons qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, ils sont allés faire les choses avec une procuration sans révélation. Il dit au nom de Jésus que Paul et Jésus prêchent. C'est-à-dire que donc eux-mêmes, le nom de Jésus qu'ils utilisent, ils ne savent même pas ce que c'est. Vous savez que l'autre niveau de faiblesse de notre autorité, c'est ça. C'est juste ne pas connaître notre autorité. Je ne parle pas des fils de Séva. Eux, c'était les bandits. Mais je ramène ça un peu à notre niveau. D'accord? Nous, parfois, on fait la procuration sans autorisation, sans révélation. D'accord? C'est des fortes déceptions. Au nom de Jésus, que Paul et Jésus... Paul et Jésus, ils ont eu une rencontre. Paul a eu une rencontre avec Christ. Il a utilisé une autorité, une lumière à laquelle il a été confronté dans Actes des Apôtres au chapitre 9. Une lumière à laquelle il n'a pas pu résister. Quand il raconte encore dans l'histoire dans Actes 21 et puis dans 26, il explique bien que de la lumière est sortie une voix qu'il a eu en temps. Il y a eu une révélation, il y a eu un contact. Mais les gens ne cherchent plus les contacts avec Dieu. Ils cherchent à les proclamer sans être plantés. Est-ce que vous savez qu'un exercice de la mauvaise position ne nous rend même pas efficace? Dans une position inadéquate, on n'est pas efficace. Il faut la position adéquate parce que normalement, c'est dans le nom de Jésus. Je ne dis pas juste par, parce que vous allez lire dans Matthieu, je ne sais pas si c'est 7, verset 22. Mais il y a un texte dans Matthieu qui dit qu'il y a des gens qui ont chassé les démons. Quand Jésus va dire, je ne vous ai pas connu, il va dire, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ils ont utilisé ça juste comme un moyen et ils n'ont pas compris les exigences. C'est normal que Dieu ne vous connaisse pas, vous n'êtes pas dedans. Ce n'est pas un prétexte, le nom de Jésus n'est pas un gris-gris qu'on utilise. Lorsqu'en fait, il faut seulement qu'on sorte d'une situation. Le nom de Jésus, c'est une vie dans laquelle on doit être. Continuellement. Une vie qui doit être alimentée par l'adoration, par la prière, par la méditation, par les principes spirituels. Je suis en train de parler là des énergies spirituelles, si je peux dire ça. Les autels de prière, les autels de dons, les autels, plusieurs que nous pouvons connaître. C'est très important. Le nom de Jésus ne s'alimente pas comme si... C'est une chose où on marche comme ça et puis on a un petit talisman dans la poche. Nous portons le nom de Jésus. Amen. Nous portons le nom de Christ. Donc, pour bien exercer son autorité, donc je disais, le langage de l'autorité, c'est le langage de la création. Je parlais de la lumière. J'espère que jusque-là, je n'ai pas... Je n'ai pas déphasé quelqu'un. D'accord? Et vous allez voir dans la Bible, il y a un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom. Peut-être que je vais toucher ça demain. Non, demain, je voulais, par la grâce de Dieu, selon que la Seigneur conduira, on va toucher directement un peu les esprits, directement. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est-à-dire que vous voyez ici le nom de Jésus. Non, je ferme la parenthèse rapidement. Parce que ça devait appeler encore beaucoup d'autres choses. Alors,
Il faut reconnaître où tu te trouves présentement avec cet enseignement que tu es en train d'écouter. Où est-ce que tu te trouves par rapport à l'autorité que tu as reçue? Vous savez, il y a des gens qui sont des victimes parce que tout simplement, ils ne comprennent pas la notion de leur autorité. Écoutez ce que le psalmiste dit. Il dit, ne vous avais-je pas dit que vous êtes les dieux? C'est dans les psaumes. D'accord. Mais cependant, vous mourrez comme des humains. Regardez, normalement, quand on dit, ne vous avais-je pas dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. La question que j'ai envie de poser, est-ce que les dieux meurent? Mais pourquoi la Bible dit que vous mourrez comme des humains? C'est parce qu'effectivement, il y a un dérèglement, il y a une déprogrammation que même les chrétiens affranchis sont en train de vivre. Parce qu'effectivement, ils ne réalisent pas la dimension de leur autorité, le langage de la lumière. Le langage de la lumière. Amen. Reconnais où tu te trouves. Je prends juste une parenthèse pour parler d'un personnage biblique qui est très intéressant. Le personnage de Jacob. Vous allez voir que Jacob a eu deux occasions de bénédiction. C'est-à-dire deux occasions dans lesquelles sa vie devait changer. Sa vie devait prendre une autre tournure. Vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, dites d'abord 5 sur 5. Il nous reste 21 minutes. Mais je suis déjà presque à la fin. Dieu merci. Ok, 5 sur 5. Sois béni, Ivan. Sois béni. Alors, écoutez, il y a une personne qui a eu deux occasions de bénédiction dans sa vie. Mais dans les deux occasions, il y avait des choses un peu étranges. D'accord, c'est Jacob. Vous voyez l'histoire de Jacob. D'accord, on est dans Genèse au chapitre 32. D'accord, et bien avant le chapitre 32, dans l'histoire avec sa naissance d'abord. Et ensuite, au-delà de sa naissance, avec le fait qu'il puisse prendre la bénédiction de son frère Ésaü. Vous savez, quand Jacob est allé prendre la bénédiction de son frère Ésaü, il est allé avec les vêtements d'Ésaü, il est allé avec la personnalité d'Ésaü. Et ensuite, il s'est approprié la bénédiction. Vous allez voir qu'il s'est approprié une bénédiction qui venait de son père. Une bénédiction qui venait d'une alliance. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails là-dedans. C'est juste pour expliquer certaines choses par rapport à notre enseignement ce soir. Et le deuxième élément, vous allez voir, dans le premier élément d'abord, lorsqu'il se rapproche de son père insiste pour demander qui c'est, si c'est Ésaü. Et Jacob dit oui, effectivement c'est Ésaü, parce qu'il a tous les attributs d'Ésaü. Mais sauf que vous voyez qu'ici, on a quelqu'un qui a été béni, mais il a été béni avec une identité de menteur. Pourquoi? Parce que pour être béni, il fallait qu'il passe par l'identité de son frère. Il y a un autre niveau de bénédiction dans Genèse chapitre 32 où, lorsqu'il est avec l'ange, en étant avec l'ange, l'ange avant de bénir Jacob, il demande son nom. Et là, Jacob va dire en vérité maintenant qu'il est Jacob, qu'il n'est pas Ésaü. Ce qui est bizarre, c'est parce que normalement, Jacob jusque-là, il était béni, mais avec le nom d'Ésaü. Quelqu'un avec moi? Et en étant béni avec le nom d'Ésaü, il y a un niveau où normalement son nom doit changer. Mais sauf que son nom ne peut pas changer s'il ne reconnaît pas le nom qu'il avait d'abord. Ah. Donc ça veut dire qu'à un niveau, pour passer à une autre dimension, il fallait que Jacob accepte que, regardez, Jacob a reprogrammé sa vie. C'est pourquoi sa vie est allée à un autre niveau et il a même croisé les anges. Non, il a croisé les anges avant, pardon. Sa vie est allée à un autre niveau. Pourquoi? Parce que le fait qu'il dise à l'ange que je suis Jacob, ça fait en sorte que la validité de la bénédiction d'Ésaü, est-ce que je peux dire quelque chose qui va être fort? La validité de la bénédiction d'Ésaü, normalement, ne soit plus sur Jacob, mais ce soit la validité de la bénédiction de Dieu qui soit sur Jacob. Parce qu'en fait, Jacob pourrait être béni. Je ne sais pas si je parle à des esprits. Aïe. Jacob pourrait être béni par son père. Il a dit que c'est Ésaü. Normalement, son père a béni Ésaü. Son père n'a pas béni Jacob. Mais comme Jacob avait les habits d'Ésaü, il a pris la bénédiction. C'est pourquoi quand vous allez lire dans Hébreux au chapitre 11, la Bible dit ceci. Pour ceux qui pensent que Isaac a aussi maudit Ésaü, c'est faux. Parce que la Bible dit que c'est par la foi
que Jacob, c'est par la foi que Isaac bénit Ésaü et Jacob. Ça veut dire que la bénédiction d'Ésaü était aussi précise. Quand vous lisez bien l'histoire, lorsque Ésaü vient pleurer devant son père dit ceci. Son père dit, il dit, voilà, tu seras soumis à ton frère, d'accord? Et tu vas vraiment tirer beaucoup de peine de ton travail. Et il dit, tu vas errer de ça et là. Mais il dit, jusqu'à ce que son joug soit brisé sur ton cou. Ça signifie que dans la bénédiction d'Ésaü, il y avait une dimension de puissance qui devait lui faire sortir de la malédiction du fait qu'il soit placé en dessous de Jacob. C'est pourquoi quand Jacob va le rencontrer, vous allez voir que Jacob rencontre un gars qui est fort riche. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas bénis. Ce n'est pas que vous n'êtes pas bénis, c'est juste que votre bénédiction n'est pas explicite. Elle est comme l'or qui est dans la terre. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils regardent l'autre, ils disent, mais pourquoi lui-là, il est en train de manifester les dons spirituels? Non, c'est le système Jacob, c'est évident. Mais pour toi, tu ne vois pas ça, mais oh, que tu as ça. Est-ce que vous savez que parfois, vous pouvez ne plus être conscient ou consciente des bienfaits de Dieu parce que vous contemplez beaucoup les bienfaits de Dieu dans la vie des autres? Amen. Exactement. Vous êtes beaucoup conscient de ce que Dieu fait dans la vie des autres et vous oubliez que Dieu peut faire aussi cela dans vos vies. Et alors, on a un gars, normalement, qui veut repasser à la dimension de sa destinée, qui est obligé d'accepter que jusque-là, le parcours qu'il a eu à faire n'est pas bon. Et il dit à l'ange, « Je m'appelle Jacob. » Alors l'ange dit, « Alors, puisque tu t'appelles Jacob, tu seras maintenant appelé Israël. » Il y a des choses qui demandent à ce que l'on puisse se dépouiller aussi parfois de ce que nous avons, de ce que nous avons jusque-là. Où est-ce que tu te trouves? Lorsque Dieu veut bénir Abraham, il dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Quand j'enseignais sur le combat spirituel, une fois je l'ai dit, je disais que mais comment Dieu demande à quelqu'un de sortir du pays? Si la personne est sortie du pays, normalement la personne est sortie de la maison de son père. Parce que la maison de son père est forcément dans le pays où la personne vit. Donc si normalement, si par exemple tu vis à Dakar et la maison de ton père est au Gabon, ça signifie que normalement tu es sorti de la maison de ton père. Et si Dieu dit ça, c'est parce qu'effectivement, même en étant sorti du Gabon, tu peux être dans la maison de ton père, parce que la maison de ton père n'est pas juste l'environnement géographique, mais c'est l'influence, le sang, l'information génétique, l'information en matière d'esprit, en matière d'hôtel et d'alliance par rapport à la terre et la maison de ton père qui peuvent te poursuivre même quand tu es hors de là-bas. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont dans des familles où il y a un esprit d'anti-mariage malgré le fait qu'ils aient quitté la maison familiale, qu'ils soient en France, qu'ils soient aux États-Unis. Ils sont toujours dans l'esprit anti-mariage. Quelle est la position? Alors, yes. Je vais parler rapidement, en moins de 10 minutes, rapidement des armes. On parle sur le fait que ce soit notre langage de l'autorité obéit aussi par des armes, d'accord? Il y a quatre caractéristiques que je veux qu'on comprenne sur les armes. L'homme de Dieu, l'apôtre, nous a déjà enseigné sur les armes ici, quelques clés, mais c'est quatre éléments importants à connaître. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est disponible. Parce que la Bible dit dans Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu. La Bible n'a pas dit que Dieu va vous donner. Prenez. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'autorité que nous n'exerçons pas parce que nous n'avons pas décidé de prendre. Quelqu'un avec moi? Il y a une dimension d'autorité que nous n'expérimentons pas juste parce que nous n'avons pas décidé de prendre. C'est là. La deuxième chose, donc le premier élément, c'est que c'est disponible. Donc, on prend, prenez les armes de Dieu. La deuxième chose, c'est que les armes ont une nature. Vous allez voir, on est dans Romains chapitre 13, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans Romains 13, verset 12. Oui. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Oui. Donc des œuvres des ténèbres et réveillons. Oui. Et revêtons les armes de la lumière. D'accord. Dépeuillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il y a quelque chose d'assez important. Vous allez comprendre que les ténèbres sont liées à des œuvres qui se manifestent, les armes de la lumière. Ça signifie que c'est les éléments que la lumière nous donne pour marcher.
Les œuvres des ténèbres, c'est les éléments que les ténèbres davantage enfantent. Ça va? Les âmes de la lumière. Donc, ça veut dire que les âmes que nous utilisons ont une nature, la lumière. C'est la lumière qui est liée au système de la lumière dont je parlais. C'est-à-dire que la lumière qui est liée au fait que notre parole, notre proclamation puisse détenir le pouvoir de la création. Amen. 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 D'accord, ok. Donc, troisièmement, les âmes qu'on utilise ont un type. Elles ont des types, d'accord? Elles ont des types. Les âmes que nous utilisons ont des types. Bon, ça, c'est toujours bon, puisque quand on parle du combat spirituel, c'est dans la Bible, c'est souvent fréquent d'utiliser Éphésiens chapitre 6, même si ce n'est pas les seuls textes, mais on y va souvent. Et Éphésiens 6, verset 13, la Bible déclare, « C'est pourquoi endosser l'amour de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible, tout ce qui était possible. » Regardez ici, nous nous rendons compte que bon, l'apôtre Paul, quand il est en train de parler là, il est en train de faire une analogie avec une armure romaine. Et ensuite, vous allez voir, quand on parle de l'épée de l'esprit ici, normalement, c'est l'arme offensive. Mais cette arme offensive correspondait, en ces temps-là, il n'y avait pas les bombes. Ça veut dire que normalement, s'il fallait qu'il fasse une analogie aujourd'hui, il devait dire peut-être que l'épée de l'esprit, c'est maintenant la bombe nucléaire. Bon, revêtez-vous de la bombe nucléaire Satan 2, par exemple. Juste pour dire qu'en fait, l'épée en ces temps-là, c'était l'arme offensive la plus forte avec laquelle on attaquait. Est-ce que vous voyez un peu? Vous êtes avec moi? Ok, donc, quand on parle de type, mais vous allez voir maintenant que dans le type, vous voyez, il y a les six armes que nous connaissons. Dans les six armes, l'homme de Dieu l'a bien expliqué. Dans les six armes, il y a les armes défensives et il y a l'arme offensive. Les six, il y a cinq qui sont défensives. Les cinq qui sont défensives, normalement, vous vous rendez compte que on ne peut pas comprendre comment un combat consiste à ce qu'on puisse à beaucoup se revêtir pour se protéger. Parce qu'en fait, le combat que nous sommes en train de mener, nous sommes aussi en train de mener un combat pour éviter d'être touchés. En fait, pourquoi? Parce que les cinq, je parlais de la chiffrologie hier, lorsqu'on parle de cinq, c'est le chiffre de la grâce. Dans les six armes qui sont six, le chiffre de l'homme, on a cinq, le chiffre de la grâce, qui montre que normalement, en fait, tous les armures que nous revêtons, vous allez comprendre, c'est des choses enfantées par la grâce de Dieu. Que ce soit le salut, la grâce de Dieu a enfanté le salut. Que ce soit la foi, que ce soit le zèle, tout, c'est le système de la grâce qui se révèle. Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il faudrait que l'homme soit connecté au système de la grâce pour pouvoir vivre une bonne dimension de combat spirituel. D'accord? Le deuxième type d'arme, c'est l'arme offensive, qui est la parole de Dieu avec laquelle, d'accord, on attaque directement. D'accord? Maintenant, la quatrième chose, c'est que les armes qu'on utilise ont une puissance. De Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible déclare, je paraphrase, que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, tous les systèmes de pensée qui se lèvent contre Jésus-Christ, contre Christ, contre la connaissance de Christ. Donc, vous voyez avec moi qu'ici, en fait, ces armes de lumière-là, petite parenthèse, la prière n'est pas une arme spirituelle. D'accord? Bon, je reprends encore. La prière n'est pas une arme spirituelle. La prière est le véhicule, est l'outil que nous utilisons pour nous déployer dans les armes spirituelles. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand nous prions, nos prières ont de l'efficacité parce qu'en fait, nous portons des choses. Pourquoi Dieu n'utilise pas tout le monde? Pourquoi Dieu n'agit pas dans les mains de tout le monde? Pourtant, tout le monde prie. D'accord? Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Oh oui, c'est bon. Je suis dans le temps. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, que Dieu nous bénisse. Alors, les esprits d'incubes et des succubes. Je finis en disant ceci. J'expliquais en disant que les anges déchus ont un mode opératoire pour travailler. Et dans leur mode opératoire, il y a beaucoup de choses. D'accord? Et dans ce qu'il y a comme beaucoup de choses, ils ont besoin des portes ouvertes. Et par exemple, un cas pratique, c'est que les esprits de mari et femme de nuit, c'est des esprits qui ont besoin de plusieurs accès. Le premier accès, c'est par exemple être lié à la masturbation.
la pornographie, être lié à la fornication, être lié à quoi d'autre encore, des machinations, être lié à des alliances de façon inconsciente. Voilà, ça englobe beaucoup de petits points. De façon inconsciente, ça veut dire que quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous vous mettez en train de faire des promesses qu'on ne comprend pas. Vous vous liez à des esprits. D'accord? Être exposé à un environnement où il y a des hôtels qui sont assez parlants. Vous voyez, quand vous allez dans un coin des boîtes de nuit, par exemple, et vous êtes là, il y a déjà des esprits qui opèrent dans cette sphère. Amen. Il faut en sorte que vous soyez directement exposé à ça. Et quand vous arrivez, par exemple, pour ceux qui ont déjà des enfants, vous allez voir, il y a des vieux du village, des vieilles du village que vous ne connaissez pas, qui vont vous dire que ça, c'est mon mari ou c'est ma femme. C'est quelqu'un qui est spirituellement avancé, qui détient des informations. Nous, on est là, on est en train de rire. La personne, l'enfant est né, on est en train de rire. Oh, voilà, tu as vu ton mari, tu as vu ta femme. Et l'enfant grandit, l'enfant a des difficultés. Vous devez savoir que les esprits d'incubes et succubes n'agissent pas seulement que pour suer les nuits des gens. Les esprits-là n'agissent pas que quand ils viennent seulement la nuit et puis les personnes ont l'impression qu'ils sont visités par des rapports. Non, ce n'est pas leur seul mode opératoire. Les relations instables, c'est aussi un mode opératoire. Quand tu te rends compte que normalement, aujourd'hui, tu aimes X, après demain, tu te sépares avec X, tu vas dire que, mais je ne sais même pas, tu es déjà avec Y, tu te sépares avec Y, tu ne sais même pas. Tu as l'impression que tu aimes tout le monde parce que l'esprit-là est en train de te préparer au cas où tu te maries, même d'être une femme adultérienne ou bien un homme adultère. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eux, ils veulent créer l'instabilité. C'est pourquoi vous allez voir, faites attention avec les personnes qui ont toujours les yeux debout. C'est des esprits qui sont en train d'opérer. Des esprits qui bloquent, qui attendent que la personne soit maintenant sur le point de prendre des grandes décisions et la personne ne peut plus prendre. Au moment où la personne veut se marier, il y a un masque sur son visage et l'homme qui doit l'épouser, la femme qui doit l'épouser, disparaît comme ça. On ne sait pas pourquoi elle a fui, mais elle a seulement fui. Ou bien il a seulement fui. C'est des esprits qui se déploient de façon à affecter beaucoup la destinée de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, d'accord? Dans le monde spirituel, à chaque fois que des alliances sont contractées, vous devez savoir que c'est un droit légal qui signifie qu'il y a un esprit supérieur à l'esprit qui est là. C'est pourquoi lorsqu'un esprit sort d'un corps, d'accord? Bon, ça, c'est pas le cas des... D'accord? À chaque fois qu'un esprit sort d'un corps et qu'il va chercher sept, pourquoi il a besoin de sept plus fort que lui? C'est parce qu'en fait, il a besoin d'un esprit supérieur qui aura besoin de faire asseoir le système diabolique dans la vie de cette personne pour faire en sorte que normalement tout soit plus verrouillé. Vous savez que quand des démons se manifestent dans des corps, les démons ne se manifestent pas juste parce qu'ils sont rentrés aujourd'hui. Ils se manifestent parce qu'ils ont eu le temps d'établir tout un système. Tout le monde veut établir une sécurité quand il rentre dans une maison. Vous êtes sûr que vous voulez rentrer dans une maison et ne pas être sûr que vous êtes bien à l'intérieur. C'est ce que les démons font. Alors, je vais m'arrêter là. D'accord? Et demain, certainement, on va... C'était juste un avant-goût pour parler de ça. Demain, on va parler de ça. Alors, je vais prier. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Merci pour toute personne présente ici. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer. Pendant que je suis en train de prier, voilà, ça, c'est une parole. Je suis en train de voir quelqu'un. Quelqu'un, c'est comme si tu fais dans un business... les choses de mariage, hein? Les choses de mariage. Parce que je suis en train de voir, c'est comme si tu habites un endroit où je vois comme une petite pelouse. Je n'ai pas assez de temps, donc je vais essayer juste de dire ce que je vois. Je vois comme une petite pelouse et je vois, bon, ce n'est pas une pelouse, mais c'est comme des fleurs, mais qui sont un peu encadrées comme ça. Et ensuite, je vois un matériel. Le matériel que je suis en train de voir, je vois, c'est comme si c'est des choses qui ressemblent au jaune or, des choses comme ça. Au jaune or. Et je suis en train de voir précisément quelqu'un qui est lié à ce domaine. Et quand je vois la personne qui est liée à ce domaine, je vois que c'est une dame, et je vois que c'est une dame qui n'est pas mariée. Pendant que je vois que c'est une dame qui n'est pas mariée, je vois cette dame avec un garçon. Un petit garçon. Quand je regarde sa taille, j'essaie d'évaluer. La taille qu'il a peut
peut se trouver entre, bon, les environs de 7 ans, les environs. Parce que quand je vois la taille, quand même, ça ressemble à un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je ne sais pas. Mais sur l'âge, je ne sais pas. C'est juste la taille que je vois et j'essaie d'estimer par rapport à la taille. Mais je suis en train de voir que c'est quelqu'un qui est beaucoup attaché à sa mère. Sa mère est en train d'être inquiète. Et pendant que je suis en train de voir sa mère inquiète, je vois quelqu'un qui est lié à elle, mais j'entends le nom, le prénom de Stéphanie. En fait, j'écoute une conversation entre la mère et elle où elles sont en train de dire « Mais Stéphanie, mais Stéphanie, mais Stéphanie, mais Stéphanie, mais Stéphanie. » Et je suis en train d'entendre la dame en train de dire, la personne en train de dire que c'est, maman, moi j'ai déjà beaucoup parlé à Stéphanie. C'est elle-même. Si elle ne veut pas se responsabiliser, c'est son problème. Pendant que je suis en train de donner les détails que je donne, si ça ne correspond pas à quelqu'un, s'il te plaît, signale-toi seulement. Nous n'avons plus assez de temps. Je vais juste prier. Mais pendant que je suis en train même de voir cela, je suis en train de voir une sorte de déchéance. C'est comme s'il y a tout un problème. Plus rien ne va vraiment dans cette vie-là. Plus rien ne va dans cette vie-là. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment des combats qui sont vraiment des combats forts. À tel point que je suis en train de constater quelqu'un qui est en train de prier dans une église avec une robe verte qu'on attache ici et qui a des points. Les points sont blancs. Rabba de l'avance, te gloriva chavedis. Je suis juste en train d'avancer dans la vision. Si ça correspond à quelqu'un, ou bien que vous sentez que ça correspond à quelqu'un, s'il vous plaît, signalez. Come on, come on. Olo vai de ramines. Le tout est là et de fille. Kalarufa se de vache. Je suis en train d'attendre parce que je sens que je suis à un niveau de la vision où j'ai besoin de connaître de qui s'agit. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors je vais prier. Je vais prier. Merci Saint-Esprit pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la manière à laquelle tu vas agir puissamment et fortement, Seigneur, davantage dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ce programme. Nous te confions également aussi les cultes qui auront lieu demain. Seigneur, que ce soit, Seigneur, des rencontres divines exceptionnelles pour des transformations, comme il n'en a jamais été dans nos vies, dans l'histoire de nos familles et dans l'histoire de nos pays. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce peuple que tu bénis et que tu fortifies. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen, Amen, Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Wow. Alors pour la parole, excusez-moi, pardon. Prophète, pour la parole que j'étais en train de donner, si ça correspond à quelqu'un, certainement, après le programme ou pendant le programme, vous allez avoir une illumination où Dieu peut vous situer sur un de vos parents ou quelqu'un comme ça. D'accord? Faites part au prophète et certainement, certainement demain, nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, Men of God. Tu peux continuer à acclamer et remercier Dieu pour l'homme de Dieu. Merci beaucoup. C'était un honneur, vraiment. L'enseignement ce soir était encore de qualité. Et est-ce que quelqu'un a été béni ici ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Alors, sans plus tarder, nous n'allons pas nous étendre. Comme l'homme de Dieu l'a dit, par rapport à la parole qui est sortie, si tu te rends compte qu'il s'agissait de toi, de ta maman, de ta grande sœur, de quelle que soit la personne, contacte-nous. J'aimerais qu'on mette le numéro en bas. Donc, il y a un numéro secrétarial. Tu peux simplement nous contacter là-bas et nous allons organiser cela. Alors, avant de se séparer, je nous donne rendez-vous pour demain matin. Aux heures de la prière, ne manquez pas ces heures et invitez beaucoup de personnes demain, comme l'a dit l'homme de Dieu. Demain, il va vraiment se mouvoir selon que l'Esprit de Dieu va l'emmener. Donc, ne manquez pas le culte de demain. Et nous ne sommes que dans la première phase. Nous sommes en train d'aller quelque part.
Et j'aimerais que tu dises à quelqu'un en commentaire, on va réellement quelque part. Nous sommes dans les préparatifs et dans beaucoup de choses. Le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. Alors, j'aimerais aussi dire, désolé pour le petit bruit. Donc, on est dans des moments de prière ici à la maison. Donc, j'aimerais aussi dire à quelqu'un que... J'aimerais encourager quelqu'un en disant à une personne, ces moments-là sont très, très, très spéciaux. Alors, du 29 au 31, si tu es au Sénégal, dans quelconque localité, ou si tu n'es pas au Sénégal, tu connais des personnes qui vivent au Sénégal. La fiche du programme vous sera envoyée. Il faut mobiliser ces personnes-là pour leur dire, ne manque pas ce programme qui va se faire au niveau de Dakar. À l'école, je crois, l'école, c'est quoi l'école? John Kennedy, merci. À John Kennedy. John Kennedy se situe au niveau de Koloban, pour ceux qui sont à Koloban, c'est juste en face de l'entrée principale de Koloban. John Kennedy, c'est dans une école, un lycée, donc le lycée John Kennedy. Ne manquez pas ce programme. Ce sera extraordinaire et là-bas, on va clôturer. Et dans cet élan, si tu sens le besoin de participer financièrement, ne manque pas de le faire. Alors, je prends aussi cette annonce, je profite pour le moment afin de dire toutes les personnes qui ont... Je vais d'abord prier pour tout le monde. Après ces moments, je vais prier pour tout le monde. Mais aussi, je vais prier spécialement pour toutes les personnes qui ont pris le temps de participer financièrement. Avec vous, on aura un programme spécial de prière. Dans ce programme-là, il n'y aura pas enseignement. On se connecte sur Zoom, vous prenez l'huile. Pendant une semaine, je prie seulement pour vous, pour vos finances. Donc, je vais seulement prier pour vous, pour vos finances, pendant une semaine, pendant deux jours. Trois jours, pendant un mois, selon que l'Esprit de Dieu va nous emmener, on va se connecter juste pour vos prières, prier pour vos finances. Et le Dieu des cieux va faire davantage des choses extraordinaires. Il y a des témoignages qui ont déjà commencé dans ce sens. Une de mes filles qui a expérimenté et qui continue à expérimenter des choses extraordinaires. Et je crois que cela aussi sera notre partage. Alors, sans plus tarder, je me donne rendez-vous demain à notre heure de culte, le matin et le soir. Entre-temps, pour ceux qui iront au culte le matin, bon dimanche à vous et que le Dieu de Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos témoignages au numéro qui a été mis juste en bas. Vous avez des témoignages, envoyez-nous vos témoignages et... Dieu des cieux va nous faire du bien. Alors avant de prier, est-ce que Gabi est là? Je cherche Gabi. Il y a une autre personne que je cherche depuis un moment. Je crois que c'est Adriel. Est-ce qu'elles sont là? Ok. D'accord, je crois que c'est Gabi qui ne s'est pas connectée ce matin. D'accord, ce soir. D'accord. Darline, est-ce que tu danses? Je te confonds, ça c'est pas la prophétie. Je te confonds, je ne sais pas si tu danses, je ne sais pas si tu es au Sénégal, Non, je ne danse pas, je chante. Tu chantes. Oui. Tu es au Sénégal? Oui, je suis au Sénégal. Tu as déjà croisé quelque part? Non. D'accord. Donc, je te confondais là. Que Dieu vous bénisse. Alors, elle est simplement Romain et on va prier pour ce soir. Maman Candy Boots, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ce soir, merci pour ce culte extraordinaire, merci pour ces moments. À toi l'honneur, la gloire et la majesté, je te prie, Père, de nous garder durant toute cette soirée,
de nous ramener demain matin pour la prière. Demain pour la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que nos songes sont sécurisés et que nous nous lèverons demain en pleine forme, même si nous dormons seulement pendant une heure. Au nom de Jésus, à toi l'honneur, la gloire et la majesté. Amen. Priez beaucoup pour ce programme. Vous dire qu'on dort bien, c'est vous mentir. Amen. Alors, priez beaucoup pour ce programme. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Shalom.